Je crois qu'à la base on s'est retrouvé sur une influence commune dans l'idée c'était un truc autour de Weezer, on avait envie de refaire du rock comme ça. C'est vraiment de la pop un peu plus, ouais, la power pop vraiment années 90 quoi. Et c'est vrai que peut-être, vu qu'on était un peu up tempo, finalement c'est un peu rapproché de mouvement emo, un peu skatecore, enfin. En même temps, nous c'est vrai que par le passé on écoutait vraiment ce truc-là de Burning Heart, machin. Enfin, il y a une colline ou des trucs comme ça, mais on est à 90 au tout début. Après, on s'est assagi en termes de tempo, on écoutait plutôt Weezer, Wet Alive. C'est pas étonnant que c'était long et soit comme ça finalement, mais c'était pas du tout. On n'a jamais voulu se positionner quelque part en fait. Enfin, si on fait ce qu'on voulait faire sur le moment, et c'est vrai que une évolution normale, c'est pas de l'opportunisme, c'est juste parce qu'on fait ce qu'on aime au moment où on l'est. On a jamais été trop émo, mais c'est vrai qu'il y avait un truc, c'était assez tempo, c'était un peu plus punk rock entre guillemets. Si t'as vraiment écouté l'album, tu verras qu'en fait c'est juste une variation de tempo, il n'y a pas deux morceaux qui se ressemblent, je pense, les énergies sont totalement différentes. C'est vrai que celui-ci il est un peu plus funky-esque, il est un tout petit peu plus low tempo, mais c'est vraiment. Il est venu assez normalement ce truc-là, ça n'a pas été intellectualisé en disant ouais, là, c'est celui-là quoi. Initialement c'était pas du tout le titre phare de l'album, c'était plutôt des morceaux qui étaient déjà sortis en amont, genre l'ex Boy Girl Surrender qui s'appelle maintenant Out of Control, pour des raisons que je n'évoquerai pas. Et non, c'est vraiment, c'est une surprise en fait, autant pour nous que pour le label, que pour tout le monde, et c'est pas... On pensait vraiment pas que ça serait le morceau en question. En fait, c'était justement une variation. Dans un album, il vaut avoir des choses un peu... des dynamiques différentes, si tu vas tout le temps dans la même énergie, bah du coup... C'est vrai que tout ce qu'on a fait par le passé, c'est tout le temps attaquer, tout le temps, il y avait jamais de respiration. Là, on s'est vraiment posé... c'est posé pour la réalisation justement de phases de respiration, et ce truc-là, c'est vraiment le morceau qui a fait le plus peut-être. C'est plutôt le début des années 90. Et tu vois, c'est le moment où on n'arrive pas à avoir vraiment la jonction entre les deux. Et je crois qu'on se situerait plutôt entre 89 et 91. Au moment où on commençait à glisser légèrement vers cette espèce de gros bordel qu'on était les années 90, avec à l'époque on écoutait en même temps du rap, de la dance, genre Corona, du Sepultura aussi en même temps, et en même temps on écoutait un peu tout ce qui passait. Enfin, tu vois, c'était vraiment un gros bordel. C'est vrai que la dance, elle nous a plus inspiré que la musicalité en soi. Tu vois, quand tu dis Corona, quand tu Beat, Real to Real, 20 Fingers, enfin, tous ces trucs de haute qualité, c'est comme ça qu'on s'est dit, faisons de la musique, faisons de la bonne musique, et c'est le moment de revaloriser ces moments perdus de la musique. Il n'y a pas trop d'artifice dedans en fait, par rapport à nous, ce qu'on aurait pu mettre s'il n'y avait pas eu de réalisateur et de discussion. C'était vraiment l'idée de chanson et de garder la chanson présente sans qu'il y ait trop de petits merdiers à côté pour faire joli. Donc je pense que nous on est satisfait à ce niveau-là de l'album parce que pour nous il tient et on espère vraiment que ça tiendra peut-être un peu dans le temps en fait et que ça sera... Enfin moi personnellement on n'a pas énormément de recul. C'est vrai qu'on n'a pas de recul mais de notre point de vue il est assez intemporel en fait. C'est vrai qu'il est marqué de cette époque-là sans être vraiment trop non plus dans l'illustration vulgaire, c'est-à-dire qu'en gros... Je dis 90 parce que ça ratisse large quoi. On n'arrête pas de dire ça, mais c'est de la variété internationale telle qu'on pouvait l'entrevoir dans les années 90. Un truc qui n'est pas trop définissable forcément, t'as des relents de ça, de ça et de ça. Tu vois là on a un morceau qui n'est pas sur l'album et qu'on fait qui a des espèces d'accents zouk. Bon,
qu'à preuve du contraire, personne ne s'est vraiment foutu dans le zouk en ce moment, c'est qu'on est un peu victime en fait de ce qu'on écoute et de nos envies du moment. Mais je pense que ouais, nous on l'a voulu intemporel cet album, c'est vrai que tu peux pas aller au-delà de. Tu peux pas, comment dire, transgresser la temporalité, donc ça a été fait en 2009. C'est vrai qu'on n'a pas pu rentrer dans ce truc vraiment. On aurait pu être vachement plus club, vachement plus électro. Finalement on a fait de la pop et rien que ça, je pense que c'est une volonté de se démarquer, mais en tout cas de se positionner là où on veut se positionner, c'est-à-dire dans la pop. En fait, pendant qu'on était à Ferber, au studio Ferber, là où on enregistrait, ben justement, on a été contacté par l'agent de Katy Perry, qui n'arrive pas à s'exprimer par elle-même, alors elle a besoin de payer un titre pour le faire, qui nous avait repéré son MySpace pour nous proposer éventuellement savoir si on était disponible. Tu vois, comme quoi, c'est pas non plus « Ouais, venez !» Bon, bref, on était en studio. On voulait savoir si on était disponible pour la tournée, on a dit « Bah non, on va enregistrer un album. » La tournée donc, de Katy Perry, c'était une... Après, on n'a pas d'affinité plus que ça avec Katy Perry dans l'idée, enfin, musicalement, c'est vraiment le problème de l'ultra mainstream, mais c'est vrai que. Quelque part, on n'est pas réfractaire à ce genre de pratique, ça. En gros, là, c'est, ça ne me paraît pas impensable de faire ça un jour. C'est pas être opportuniste, c'est pas se vendre. La musique, elle est qualitativement la même que tu la joues dans un endroit ou dans un autre. Tu vois, Katy Perry, je pense que c'est pas tout le plus dégueulasse. Après, c'est vrai que de jouer sur I Kissed a Girl, avec, bon, bref, ça, c'est un peu moisi, mais Katy, elle est sympa. Daily.